Épisode numéro 33 de Zelda 3T. Alors dans la dernière vidéo, j'ai revisité les trois donjons du monde présent en fait. À la recherche de gemmes de force, j'ai pas réussi à en trouver dans le temple de la... Comment il s'appelle? Temple de la sagesse? Le troisième? Temple de la force, pardon. Je me suis amusé à tout explorer à nouveau de fond en comble et j'ai pas trouvé. Donc le mystère reste entier sur cette dernière gemme. Par contre, ici, il y en a une que j'ai oubliée. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais raté là. Alors, comment je rentre? Voilà, comme ça. Je savais pas qu'on pouvait s'accrocher sur les pancartes en fait. Hop. Alors après, je sais pas très bien par où je vais commencer. Comme j'ai beaucoup d'argent, je vais aller en dépenser et acheter quelques objets pour faire du troc. Alors ici, qu'est-ce que je peux acheter d'intéressant? J'aimerais bien la bourse de 999 rubis. Mais ça va être compliqué. Un parfum, j'ai pas assez de toute façon. Lui il a toujours rien, c'était les bottes de Pégase. Lui il a pas changé. Sac de livre contre 15 rubis. Bon, c'est relativement intéressant. Ah non, c'est pas intéressant, on peut l'avoir à 10 rubis. Ouais, à la cité d'Hyrule. Et ça, on peut en avoir à 10. Enfin, pas 10 rubis, mais 10 Ganons d'or. Dans le futur. Donc c'est peut-être pas la peine non plus, finalement. Je sais plus très bien combien j'ai de Ganons d'or dans le futur. Alors. Combien j'ai de sacs de riz, sacs d'olive? Bon, c'est déjà pas mal. Mais je vais encore en acheter pour avoir de l'avance parce que j'ai un peu regardé de quoi j'ai besoin pour acheter les différentes choses. Et j'aurai besoin de vraiment beaucoup de matières premières. Un sac de riz contre 15 rubis. Non. Par contre, des sacs d'olive, je t'en prends plein. En plus, le mec des monstres, il me doit plein de... Il me doit plein de sous. Donc c'est pas l'argent qui me manque. 370. Ah, en acheter quelques-uns. 28. 30. C'est bien 30. Après, on va aller voir... On va aller par là. Ah oui. Mince. Je disais, on va aller voir au village des mouettes. Parce que les olives sont un tout petit peu moins chères. Ok. Donc si ça n'a pas changé, les olives ne coûtent que 12. Enfin, pardon, le riz est un petit peu moins cher. Puisqu'il ne coûte que une olive plus 2 rubis. Voilà. Enfin, un sac d'olives plus 2 rubis. C'est pour ça que j'ai pris plein de sacs d'olives. Comme ça, on aura 20 sacs de riz et 20 sacs d'olives. Et 10 bocaux d'épices, mais les bocaux d'épices, de toute façon, c'est pas ici que je vais les acheter, c'est dans le futur, j'ai dit. Avec tout ça, ce serait bien d'acheter un poulet. Même au moins 4 poulets, d'après ce que j'ai noté. Alors, on va retourner tout de suite. Tiens, qu'est-ce qu'il y avait dans cette maison, déjà? Je sais que j'y suis déjà allé, mais il me semble que je pouvais pas
Peut-être pas tout faire. Ah si. Ah mais d'ailleurs je peux nager maintenant. Ça fait un moment déjà. Alors il y avait pas un fragment de cœur sur cette île que j'arrivais pas à atteindre. Ah si, mais c'était dans le futur. Je vais faire ça tout de suite. Haha, en plein dedans. Cool. Allez, on revient. Donc, retour à la cité d'Hyrule, je voulais acheter quelques poulets. Ça me servira pour acheter des trucs que j'ai notés en fait en préparant cet épisode. Oui, parce que je suis quelqu'un d'organisé. Ça me servira pour acheter la bourse de 200 pièces d'or dans le passé. Et ça me servira surtout pour acheter des amulettes nécessaires pour les échanges futurs. Donc, c'est là. Un poulet contre deux sacs de riz et trois sacs d'olives. On va en prendre combien? Au moins 4. Ah, donc j'ai déjà dépensé une bonne partie des sacs de riz et des sacs d'olives que j'avais achetés. Je vais encore en racheter peut-être. Ensuite, je voulais aller dans le passé, le futur, dans le passé, oui, pour la bourse de 200. Ah, raté. Champ du temps inversé. Ok, et donc, c'était... Bah, un quart de cœur contre un... Ah oui, non, d'accord, je me suis trompé de feuille, je comprenais plus. Je comprenais plus mes notes. Pourquoi il dort, lui? Ok, peut-être qu'il dormait déjà avant, simplement j'avais pas remarqué. Une plume contre un bocal d'épices, un sac d'olives. Ah oui, ça je veux bien, en fait, parce que les plumes, j'en aurais besoin pour avoir du parfum, il me semble. Plumes. Où est-ce que c'est, les plumes? Ah oui. Il me faudrait 3 plumes. Même 4 plumes. Non, 6 plumes, pardon. Combien j'en ai? J'en ai que 2. Donc il en faut encore 4. 4, 5, 6. Ça me servira. Faites-moi confiance. Une bourse pouvant contenir 200 pièces d'or contre un poulet et 10 pièces d'or. Oui! Avec plaisir! Bourse moyenne. Alors je suis sûr que maintenant il va me proposer la grande bourse. Alors, je mets à jour mes notes. Contre un parfum et 100 pièces d'or. Ah ah. Pièces d'or pour la bourse. Ah, mince, je me suis trompé, j'ai noté ça dans le futur alors que c'est dans le passé. Excusez-moi, je recommence. Alors, un parfum. 100 pièces d'or. Pour avoir la bourse de 500. C'est noté. Non, pas assez. Est-ce que je vais encore m'acheter quelques plumes? Du coup, j'ai plus que 9 sacs d'olives déjà. Oui, je vais m'acheter 3 plumes de plus pour avoir encore un parfum. Voilà. Lui, qu'est-ce qu'il me propose? Ah, lui, c'est les fameuses amulettes. C'est... Oui. Bah allons-y alors, c'est ça que je voulais, non? Combien j'en voulais? J'en voulais 4. Ah, j'aurais pas assez de sacs d'olives. Ok, donc c'est pas grave. J'ai quand même acheté pas mal de choses. On peut récupérer les sacs d'olives facilement, de toute façon. Puisque c'est juste ici.
Ah. Faut jongler entre espace et entrée, là, c'est pas forcément facile. Ok, je suis ruiné pour acheter plein de sacs d'olives. Plein, j'en ai vu que 6. Champ du temps inverse, on va revenir dans le passé. Et acheter une amulette supplémentaire. Ah, j'ai pas assez. Ah non, faut que j'achète le poulet d'abord. Oui, effectivement. Alors, l'ocarina X. Le poulet, il est là. Ensuite, ocarina inversée. Ok, une amulette supplémentaire, c'est très bien. Je pourrais échanger tout de suite mes plumes. Pourquoi pas? Mes plumes. Je trouve plus. Je trouve plus où est-ce qu'on utilise des plumes. Ah si, c'est au village Cocorico. 3 plumes plus 4 riz pour un parfum. Donc là, je vais m'acheter deux parfums si je fais ça maintenant. D'accord, pourquoi pas. Bah, mais tant que je suis là, je vais déjà aller faire un petit tour dans le futur. Je sais. Ah, en plus, j'ai plein d'argent, alors je vais acheter des bocaux d'épices. Allez hop, ça sera déjà bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à faire dans le futur? Alors lui, il m'a vendu le sac de bombes. Qu'est-ce qu'il me propose maintenant? Il me propose plus rien. Donc, je vais le barrer, puisque j'avais oublié de le barrer. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oui, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est pour ça que j'avais acheté une amulette et des parfums. Combien j'ai de parfums? Ah non, je les ai pas encore, les parfums. Oh, c'est compliqué. inversé. On va aller chercher des parfums au village Cocorico. Avec justement mes fameuses plumes. Allez, donne-moi tout plein de parfums. Ah, j'ai plus assez de sacs de riz déjà. Zut. Toi, t'as plus rien. Eux, j'aurais déjà parlé tout à l'heure, ça va pas changer. Ok, donc. Je vais acheter des sacs de riz parce que je voudrais un petit peu plus de parfums. Là, on va faire un petit tour chez le collectionneur de monstres. Et moi qui avais l'impression tout à l'heure d'avoir acheté beaucoup de sacs de riz et de sacs d'olives. Allez, combien tu me dois? 513. Oui, je veux. Ensuite, pour les sacs de riz, le moins cher, c'est de faire comme j'ai fait tout à l'heure, c'est d'acheter des sacs d'olives d'abord. Vu que je suis riche, je vais encore en acheter plein. C'est pas beaucoup, hein, finalement. Ça me coûte 10 rubis chaque fois, donc là, si j'en achète 10, ça me coûte 100 rubis. J'en ai acheté 16.
Peut-être un peu moins parce que je me souviens plus s'il me reste 1 ou 2 ou 0. 22 sacs d'olives. Allez, on va s'arrêter à 30 pour le moment. Et on va rechercher des... Tiens, est-ce que je peux pas passer par là pour aller plus vite? Ouais, non, c'est pareil. Ou par là, peut-être. Rechercher des sacs de riz. C'était toi? Oui, c'était toi. Ah là là là. Allez, on va faire 16 et 16. Voilà. C'est... En fait, j'ai presque tous les objets. Il m'en manque plus qu'un. Les objets du troc. Alors, tant que je suis ici, est-ce qu'il y a des choses intelligentes à faire? Je peux acheter des perles éventuellement. Pour avoir une tapisserie. Ah ouais, ça c'est bien, une tapisserie. Ça, j'en aurai besoin. C'est pas là. C'est là. Une amulette. Non, j'en ai assez, je crois. Ah, qu'est-ce que j'ai pas assez encore? Deux perles et cinq beaucoup d'épices. Ah, c'est parce que j'ai acheté une seule perle. Là. Tapisserie. Ok. Bon. Dans la prochaine vidéo, mes amis, nous allons tenter d'acheter la bourse de 500 pièces d'or et la bourse de 500 gallons d'or. Ça serait pas mal. Voilà, et ben à bientôt, salut!